Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. President Kennedy died at 1 p.m. Vice President Johnson has become the 36th President of the United States. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. I'm just a patsy. Supporters of Israel's nuclear weapons program were in fact involved in the JFK assassination. There's only one person in the world that John Kennedy trusted unequivocally, and that was Robert Kennedy. Obviously, I was there, but I don't remember any of that. Dans la nuit du 5 juin 1968, le sénateur Robert Kennedy, candidat à la présidence des États-Unis, fut assassiné par balle dans une arrière-salle de l'hôtel Ambassador à Los Angeles, où il venait de célébrer sa victoire aux primaires de Californie. Cette victoire faisait de lui le favori pour l'investiture du Parti démocrate. Face au républicain Richard Nixon, Robert était donné gagnant. À 43 ans, il aurait été le plus jeune président américain de l'histoire, après avoir été, dans le gouvernement de son frère, le plus jeune ministre. Sa mort laissa le champ libre à Richard Nixon, qui prenait ainsi sa revanche 8 ans après sa défaite face à John en 1960. John avait été assassiné 4 ans et demi avant Robert. S'il avait vécu, il aurait très certainement été président jusqu'en 1968, et son frère aurait peut-être pris le relais. Au lieu de cela, c'est son vice-président Lyndon Johnson qui occupa la Maison-Blanche de 1963 à 1968. Johnson devint président le jour même de la mort de John et termina son mandat quelques mois après la mort de Robert. Il était donc au pouvoir durant les deux enquêtes qui suivirent ces assassinats. Or, ni l'assassinat de John, ni celui de Robert ne sont élucidés. Dans chaque cas, la thèse officielle est truffée de contradictions. Nous allons les résumer dans ce film. Mais nous irons plus loin. Nous démontrerons que c'est précisément en comparant ces deux assassinats que l'on parvient à les résoudre. Curieusement, on entend rarement parler des assassinats des frères Kennedy au pluriel. L'assassinat de John en 1963 et celui de Robert en 1968 sont généralement traités comme deux tragédies sans rapport, plutôt que comme un double crime. Lorsqu'on les met en relation, c'est pour évoquer une mystérieuse malédiction pesant sur la famille Kennedy, plutôt que pour soulever l'hypothèse d'un même commanditaire. Ce thème d'une mystérieuse malédiction, dans laquelle on englobe aussi la mort mystérieuse du fils de John, et que l'on rattache au prétendu péché du père, fait régulièrement surface à chaque nouveau livre sur le père de John et Robert, Joe Kennedy. Pourtant, John et Robert étaient très intimement liés, non seulement en tant que frères, mais en tant qu'hommes politiques. Tous les biographes des Kennedy ont souligné le dévouement absolu de Robert envers son frère aîné. Robert avait dirigé avec succès la campagne de John pour le Sénat en 1952, puis sa campagne présidentielle en 1960. Il s'était investi corps et âme, et John lui en était profondément reconnaissant. A great appreciation to my brother Bobby, who has directed all our primary campaigns and the organization in all of them, as he did in my campaign for the Senate in 1952, and of course he has been the most essential for this. À la Maison Blanche, John fit de Robert non seulement son ministre de la Justice, mais son plus proche conseiller.
Il faisait appel à lui pour toute décision importante et insista par exemple pour l'avoir auprès de lui durant toute la crise des missiles cubains d'octobre 1962. Traditionally, attorneys general have nothing to do with foreign policy. But after the Bay of Pigs, John Kennedy really wanted Bobby by his side, helping him to make the decisions on everything. Because there was only one person in the world that John Kennedy trusted unequivocally, and that was Robert Kennedy. Leur communion d'esprit exceptionnelle frappait leurs collaborateurs. No sooner did one of them begin a sentence than the other knew what he was saying. They understood each other so well that they talked in a kind of shorthand. Robert était pourtant très différent de John. C'était un homme sincèrement religieux et dévoué à sa famille. Marié à l'âge de 24 ans, il aura, avec sa femme Ethel, 11 enfants. My mother and my father shared a belief that we are on earth for a short period of time, and that we are actually children of God. We prayed every night that John Kennedy would be the best president ever, and that my father would be the best attorney general ever. Ce que John appréciait le plus en Robert, c'était son sens de la justice et la rectitude de son jugement moral. C'est Robert, par exemple, qui incita John à prendre une position claire en faveur de la cause des droits civiques des Noirs. We are confronted primarily with a moral issue. It is as old as the scriptures and is as clear as the American Constitution. The heart of the question is whether all Americans are to be afforded equal rights and equal opportunities. Whether we are going to treat our fellow Americans as we want to be treated. Was probably the first time in the history of our country that an American president would say that the question of civil rights, the question of race, was a moral issue. And he had the encouragement of Robert Kennedy to push him in this direction. Robert Kennedy was learning. He was growing. He said to me, John, I now understand the young people have educated me. And you can see it, you can feel it. And Robert Kennedy, during that period, became so convinced, not just as a politician, not just as the Attorney General, but as a human being, that it was time for that to be some major steps to end racial discrimination in America. Robert ne possédait pas le charisme de John, et encore moins son ambition. Il sentait bien que le manteau de son frère, qu'il avait porté littéralement pendant ses premiers mois de deuil, était trop grand pour lui. S'il se décida néanmoins à briguer la présidence en 1968, c'était sous la pression du destin, pour reprendre le flambeau de son frère. Car Robert apparaissait aux yeux de millions d'Américains comme l'héritier du roi assassiné et comme son justicier. Ses apparitions publiques suscitaient une ferveur qu'on n'avait encore jamais vue pour un candidat à la présidence. D'autant que, rarement entouré de gardes du corps, il manifestait un total mépris pour sa propre sécurité. What sounded like shots turned out to be Chinese firecrackers. Bobby flinched, then went right on campaigning. En conclusion, si l'expression « uni comme un seul homme » a un sens, elle s'appliquait à John et Robert Kennedy. Le simple bon sens suggère donc qu'ils ont été tués par la même force et pour les mêmes motifs, et que s'il fallait empêcher Robert d'accéder à la Maison-Blanche, c'est parce qu'il aurait été alors en position de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Avait-il l'intention de le faire? C'est la première question à laquelle il nous faut répondre. La réponse à cette question a été apportée de façon concluante par David Talbot dans son livre « Brothers, The Hidden History of the Kennedy Years » paru chez Simon & Schuster en 2007. On y apprend que Robert n'a jamais cru à la thèse officielle du tueur unique Lee Harvey Oswald. Son fils Robert Kennedy Jr. l'a encore récemment confirmé. Robert refusa de témoigner devant la commission d'enquête présidentielle, dite commission Warren, et déclara qu'il n'avait pas l'intention de lire son rapport. Mais il fut contraint de rédiger une note stipulant
j'aimerais déclarer de façon définitive que je n'ai connaissance d'aucun élément accréditant les allégations que l'assassinat du président Kennedy a été causé par un complot domestique ou étranger. Aux amis proches qui lui reprochaient cette lettre, qu'il avait en réalité fait signer par un assistant, Robert répondait « Je ne peux rien faire, pas pour le moment ». Dès le 22 novembre 1963, en effet, Robert avait été mis sur la touche par le nouveau président Lyndon Johnson et par son ami Edgar Hoover, directeur du FBI. Bien qu'encore ministre de la Justice, il se savait désarmé face aux forces qui avaient tué son frère et qui maintenant le surveillaient étroitement. On sait néanmoins que, le 29 novembre, soit une semaine après l'assassinat de John, Bill Walton, un ami intime de la famille Kennedy, se rendit à Moscou pour transmettre discrètement à Nikita Khrouchtchev un message de la part de Robert Kennedy. Selon la note retrouvée plus tard dans les archives soviétiques par les investigateurs Furtsenko et Naftali, Robert voulait faire savoir à Khrouchtchev qu'il pensait que son frère avait été, je cite, « victime d'un complot d'extrême droite », que lui seul, Robert Kennedy, pouvait implémenter la vision de John Kennedy et que le refroidissement qui adviendrait peut-être dans les relations USA-URSS à cause de Johnson ne serait pas éternel. Dans le même temps, Robert commençait discrètement sa propre enquête. Il questionna d'abord le directeur de la CIA, John McCone, pour tenter de découvrir si des éléments de l'agence étaient impliqués. Puis, envisageant l'hypothèse d'une vengeance du crime organisé, il prit contact en mars 1964 avec Jimmy Hoffa, son ennemi juré, sur qui il s'était acharné pendant 10 ans et que son département de la justice venait encore de condamner. Un tête-à-tête fut improvisé entre les deux hommes sur une piste d'aéroport et Robert en sortit convaincu de l'innocence de Hoffa. Robert chercha aussi à savoir s'il y avait eu des complicités au sein du Secret Service, responsable de la sécurité du président, et il chargea un ami d'enquêter discrètement. Avec la publication du rapport de la commission Warren, Robert eut la confirmation qu'il ne devait rien attendre de la justice de son pays tant que Johnson était au pouvoir. Il savait aussi que ses propres investigations étaient étroitement surveillées. Il sollicita alors l'aide d'un ami de sa famille, un ancien officier du MI6 britannique qu'il avait connu lorsque son père était ambassadeur à Londres. Celui-ci prit contact avec les services secrets français, avec l'aval du général de Gaulle, qui n'avait lui non plus jamais cru à la thèse du tueur solitaire, deux officiers, dont André Ducret, chef de la sécurité présidentielle à l'Élysée, menèrent une enquête sur 3 ans. Leur rapport, très soupçonneux à l'égard de Johnson, fut transmis à Robert peu avant son assassinat. Ensuite, constatant que ni Jacqueline Kennedy, ni le dernier frère survivant, Ted Kennedy, ne manifestaient d'intérêt pour ce rapport, les officiers français embauchèrent un écrivain du nom de Hervé Lamarre pour en faire un livre, sous le pseudonyme de James Hepburn. Le livre parut en français sous le titre « L'Amérique brûle » et en anglais sous le titre « Farewell America ». Robert Kennedy comptait briguer la présidence en 1972. Mais plusieurs facteurs précipitèrent sa décision de se présenter dès 1968. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. L'un de ces facteurs était l'enquête ouverte par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison. Garrison avait obtenu le droit de visionner le fameux film amateur d'Abraham Zapruder, qui avait saisi l'assassinat à Dallas en 8 mm. Ce film, confisqué par le FBI le jour de l'assassinat, et peut-être retouché entre-temps, prouve néanmoins par le mouvement de la tête du président que la balle mortelle l'a frappé de face. Cela innocente Lee Harvey Oswald qui se trouvait dans son dos, et cela donc contredit la thèse officielle. I looked at the wound again. I wanted to know and remember this the rest of my life. And the rest of my life I will always know he was shot from the front. The Warren Commission investigation concluded the shots came only from behind. Dr. Crenshaw says they're wrong. The bullet struck about where and passed about where? From here. Right. Through. De nombreux autres témoignages confirment que des coups de feu ont été tirés en avant de la limousine, d'un endroit que l'on nomme traditionnellement le Grassy Knoll. Pourtant, au cours de son enquête, la commission Warren a écarté toutes les preuves de coups de feu provenant du Grassy Knoll. Mais les témoignages sont là. The shot came from behind the wooden fence.
There's no doubt whatsoever in my mind. Garrison confiera plus tard que Robert lui fit passer un message discret de soutien par un ami commun, lui affirmant qu'il ferait éclater la vérité au grand jour lorsqu'il serait président. Robert Kennedy confia aussi à son ami William Atwood, rédacteur en chef du magazine Look, qu'il croyait, comme Garrison, à un complot. Et il ajouta « Mais je ne peux rien faire tant que je n'ai pas le contrôle de la Maison-Blanche ». Tous ces éléments permettent de conclure que Robert Kennedy avait l'intention, une fois à la Maison-Blanche, d'ouvrir une nouvelle enquête sur la mort de son frère. Les assassins de ce dernier avaient en tout cas de très bonnes raisons de le craindre et de tout faire pour empêcher Robert d'accéder à la présidence. Cette première conclusion constitue une raison suffisante d'analyser en parallèle les deux assassinats des frères Kennedy, afin d'y rechercher des convergences qui pourraient nous mettre sur la piste d'un assassin commun. Examinons d'abord l'assassinat de Robert et intéressons-nous pour commencer au profil très particulier de l'assassin désigné. Quelques heures seulement après l'assassinat de Robert Kennedy, la presse était en mesure d'informer le peuple américain non seulement de l'identité de l'assassin, mais encore de sa motivation et même de sa biographie détaillée. Siran Bishara Siran était un jeune homme de 24 ans dont la famille avait été expulsée de Jérusalem par les Israéliens en 1948. Il avait dans sa poche une coupure de presse citant des propos de Robert Kennedy favorables à la vente de 50 bombardiers à Israël. Des notes manuscrites retrouvées chez lui confirmaient que son acte avait été prémédité et motivé par la haine d'Israël. Dès le 6 juin, par conséquent, le journaliste Jerry Cohen pouvait écrire en première page du Los Angeles Times que Siran était connu comme, je cite, « un anti-israélien virulent », un jeune homme animé d'une haine suprême pour l'État d'Israël. Robert Kennedy était pour Siran, explique Cohen, je cite, « une personnification de cette haine en raison de ses récentes déclarations pro-Israël ». Fin de citation. Le journaliste prétend avoir appris du maire de Los Angeles, Samuel Yorty, que 3 semaines avant de passer à l'acte, Siran avait écrit dans un cahier qu'on retrouva chez lui « Kennedy doit être assassiné avant le 5 juin 1968 », c'est-à-dire, précise Cohen, le premier anniversaire de la guerre de 6 jours dans laquelle Israël humilia 3 voisins arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Après le 11 septembre 2001, on s'avisa que Siran avait été un précurseur du terrorisme islamique sur le sol américain, et l'on intégra cet événement dans la propagande de la guerre contre le terrorisme. Dans un livre intitulé « Le terroriste oublié », Mel Hayton, enseignant britannique spécialisé dans la contradiction des thèses complotistes, prétend démontrer que Siran était mu par, je cite, « un nationalisme palestinien fanatique », que son geste était motivé politiquement et qu'il était précurseur du terrorisme d'aujourd'hui. Le 5 juin 2008, à l'occasion du 40e anniversaire de l'assassinat de Robert Kennedy, le quotidien new-yorkais Jewish Forward déclara « Robert Kennedy fut la première victime américaine du terrorisme arabe moderne ». On ne peut s'empêcher de noter le parallèle entre l'assassinat de Kennedy et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Dans ces 2 tragédies, le fanatisme arabe montra son horrible visage sur le sol américain, changeant de façon irrévocable le cours des événements dans ce pays. Fin de citation. Le même jour, le journaliste Sacha Eisenberg du Boston Globe rappelle que la mort de Robert Kennedy, je cite, « nous a donné un avant-goût du terrorisme venu du Moyen-Orient ». Il cite Alan Dershowitz, surtout connu comme l'avocat de l'espion israélien Jonathan Pollard, qui se souvient avoir ressenti l'assassinat de Robert comme, je cite, « un acte de violence motivé par la haine d'Israël et de quiconque soutenait Israël ». Ce fut d'une certaine manière le début du terrorisme islamique en Amérique, le coup d'envoi. Fin de citation. Le fait que Siran était d'une famille chrétienne et non pas musulmane est un détail qui échappe à Dershowitz. Le Jewish Forward prit soin de le préciser, mais pour ajouter aussitôt que l'islam coulait malgré tout dans les veines de l'assassin. Je cite « Ce qu'il partageait avec ses cousins musulmans, les responsables du 11 septembre, était une haine viscérale et irrationnelle d'Israël. » Il y a dans cet acharnement à faire de Siran un terroriste arabe possédé par la haine d'Israël quelque chose de suspect.
Mais prenons pour l'instant toutes ces déclarations au sérieux et tentons de comprendre quelle sorte de terroriste palestinien anti-sioniste fut Siran Siran. En nous intéressant de plus près à son cas, peut-être apprendrons-nous quelque chose sur la nature véritable de cette terreur islamique qui tétanise l'Occident depuis le 11 septembre 2001. Première question, Siran a-t-il vraiment tué Robert Kennedy ? Les données balistiques et médico-légales suggère qu'en réalité, aucune des balles tirées par Siran n'a atteint Robert. Selon l'autopsie réalisée par le docteur Thomas Noguchi, qui le confirme dans ses mémoires, Robert Kennedy a été touché par 3 balles, tandis qu'une 4e a transpercé son manteau. Toutes ces balles furent tirées derrière Kennedy, 2 sous son aisselle droite, selon un angle ascendant, et la 3e, la balle fatale, à moins de 3 cm derrière son oreille droite. One gunshot wound was found behind the right ear and there were abundance of a powder deposit on the edge of the right ear and after test firing the similar weapon we came to conclusion that the muzzle distance would be one inch from the right ear edge and no more than 3 inches. Or, 12 témoins ont déclaré sous serment que Kennedy n'a jamais tourné le dos à Siran et que celui-ci était à plusieurs mètres de sa cible lorsqu'il a tiré. De plus, Siran fut maîtrisé dès son second coup de feu, et bien qu'il ait continué à appuyer mécaniquement sur la gâchette, son arme n'était plus alors dirigée vers Kennedy. En comptabilisant les impacts de balles relevés dans la pièce par les premiers enquêteurs du FBI et les balles qui ont blessé 5 personnes autour de Kennedy, on peut conclure qu'une 12aine de balles au moins a été tirée, alors que le revolver de Siran n'en contenait que 8. Enfin, une analyse technique de plusieurs enregistrements sonores au moment des tirs, réalisés en 2008 par l'ingénieur Philip Van Praag, confirme que 2 armes ont fait feu. 13 shot sounds over a little bit over a 5-second interval of time. There are 2 shots and then a pause of about 1 1/3 seconds and then a flurry of succeeding shots. The primary point that people need to recall is that the capacity of Sirhan's gun was 8 shots. He did not have time to reload. And so anything more than 8 shots proves there had to be a second gun firing within that kitchen pantry, period. We have strong evidence based upon this audio tape of 13 shots, 2 double shots, the make and the model of the gun, and the directionality of those shots into the back of Robert Kennedy. Tous ces éléments ont été réunis par l'avocat William Pepper en 2012 dans un dossier déposé devant la justice californienne en vue d'obtenir la révision du procès de Siran. Bob was hit with 4 bullets were fired at him from the rear. From the rear now. 2 went through, 1 through the shoulder pad and 1 through the chest cavity that lodged in a ceiling tile that was actually behind Sirhan, where Sirhan was standing. So the shots from the senator were from behind, and the tracing of the bullets was slightly upward. So that's where the assassin was firing, and that's where he was standing behind the senator. And we have a view as to who that person was, but a good deal more probing and evidentiary work has to be done. Si Siran n'a pas tué Robert Kennedy, alors qui? La présence d'un second tireur a été signalée par plusieurs témoins et rapportée le jour même par quelques reporters. En ce qui concerne les agresseurs, ici à Paris, d'après les informations que nous transmettent les agences de presse, oui, on dit qu'il y en aurait 2. Les soupçons se portent sur Eugène César, un agent de sécurité embauché par l'hôtel Ambassador, propriété du richissime Mayer Schein. César se trouvait collé derrière Kennedy au moment des tirs dans une salle bondée. Plusieurs témoins l'ont vu dégainer son revolver et l'un d'entre eux, Don Schulman, affirme l'avoir vu tirer.
As we were slowly pushed forward, another man stepped out, and he shot. Just then the guard, who was standing behind Kennedy, took out his gun, and he fired also. The next thing I knew is that Kennedy was shot 3 times. Now, how far was Sirhan from Senator Kennedy at the time? I would say approximately from 3 to 6 feet. Where was this guard who was firing his gun? He was standing directly to the side and back of Kennedy. On what side? He was standing on the right-hand side. Contract killer could not find a more efficient and concealed position to do his deed. First, a clear opening to shoot at the heart, with little chance to be seen by witnesses situated either in front of or behind the victim. Then another opportunity for a concealed coup de grace in the back of the head as the victim slumps to the floor. Pour une raison mystérieuse, César, qui ne cachait pas sa profonde antipathie pour les Kennedy, n'a jamais été entendu par la justice et son arme n'a jamais été examinée. He told police he had sold his .22 3 months before the assassination. A receipt proves that it was sold after the assassination. The person who made out this receipt confirmed Caesar told him at the time of the sale, be careful of this weapon, it was involved in a police shooting. He was the obvious first suspect. The police brushed him off and never investigated him further. Même en admettant que Sirhan fut l'assassin de Robert Kennedy, un autre élément du dossier pose question. Au dire de plusieurs témoins, Sirhan paraissait dans un état de transe au moment des tirs, et dans un état d'épuisement et de désorientation ensuite. Mais surtout, il s'est toujours montré incapable de se souvenir avoir tiré sur Robert Kennedy, même si, sur la suggestion de son avocat commis d'office, il a admis l'avoir fait durant son procès. Cela lui a valu d'être condamné à la peine de mort. Mais celle-ci fut abolie en Californie peu après les faits, et sa peine fut commuée en prison à vie. Aujourd'hui, près de 50 ans après les faits, il continue d'affirmer: I not only have never been able to remember what happened in that place at that time, but I have not been able to remember many things and incidents which took place in the weeks leading up to the shooting. What do you remember about the shooting, if you're willing to talk about that? I was there. But I don't remember the exact moment. I don't remember pulling my gun out of my body or whatever it was located. And I don't remember aiming at any human being. I don't remember any of that. Depuis 1968, plusieurs expertises psychiatriques ont confirmé que son amnésie n'est pas feinte. Par conséquent, des spécialistes en hypnose et manipulation mentale estime que Sirhan a fait l'objet d'une programmation hypnotique. It was obvious that he had been programmed to kill Robert Kennedy and programmed to forget that he'd been programmed. Cette hypothèse est cohérente avec des lignes répétitives écrites par Sirhan dans un cahier retrouvé chez lui, qui font penser à une forme d'écriture automatique sous transe hypnotique. En 2008, après 60 heures d'entretien avec Sirhan, le professeur de Harvard, Daniel Brown, spécialiste de l'hypnose et de l'amnésie traumatique, a conclu que Sirhan était très facilement hypnotisable et qu'il avait probablement agi sous l'effet d'une suggestion post-hypnotique. Selon ses termes, quand il a tiré, son geste n'était ni sous son contrôle volontaire, ni même réalisé consciemment, mais résultait probablement d'un comportement automatique hypnotique sous contrôle coercitif. Avec l'aide du professeur Brown, Sirhan est parvenu à se souvenir avoir été, juste avant les faits, en compagnie d'une jeune femme très attirante, avant de se retrouver soudain dans un stand de tir, avec dans la main une arme qu'il ne connaissait pas. Selon le rapport de Brown, Sirhan a en réalité réagi, je cite, à un stimulus hypnotique spécifique déclenché par cette femme qui a provoqué automatiquement et involontairement chez Sirhan un flashback lui faisant croire qu'il était en train de tirer sur des cibles dans un stand d'entraînement. Fin de citation. L'avocat William Pepper découvrit par la suite que quelques jours avant les faits, Sirhan s'était rendu, accompagné d'un homme non identifié, dans un stand d'entraînement au tir dont il a même signé le registre. Avec l'aide du professeur Brown, Sirhan est également parvenu à se souvenir que son instructeur portait une moustache tombante. Ce signalement correspond à l'hypnotiste renommé William Joseph Bryan Jr., que d'autres éléments encore incriminent. Bryan, qui avait travaillé pour l'Air Force,
s'était surtout rendu célèbre pour avoir déterminé l'identité du tueur en série surnommé l'étrangleur de Boston, en confondant, grâce à l'hypnose, Albert DiSalvo. Il se vantait souvent de cet exploit et, selon deux prostituées dont il était client, il se serait aussi vanté d'avoir hypnotisé Ciaran. Or, parmi les lignes incohérentes trouvées dans le cahier de Ciaran, que Ciaran reconnaît comme écrites de sa main mais qu'il ne se souvient pas avoir écrites, on trouve ceci. « Dieu, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Salvo, dis salvo, dis salvo. » C'est un indice que Ciaran est peut-être passé entre les mains expertes de Brian l'hypnotiseur. You have to have the person locked up physically, so you have control over them. You have to use a certain amount of physical torture involved, and there is also the use of long-term hypnotic suggestion, probably drugs, whatever, and so on. Under these situations where you have all this going for you, like the prison camp and so on, yes, you can brainwash a person to do just about anything. What I'm speaking about are the innumerable instances that we ran into when I was running the country's brainwashing and anti-brainwashing programs. On sait depuis les années 70 que des agences militaires américaines se livraient à des expérimentations sur le contrôle mental. Le docteur Sidney Gottlieb, fils d'immigrants juifs hongrois, dirigeait par exemple à la CIA le fameux programme MK-Ultra, dont les équipes, selon des rapports déclassifiés, cherchaient à répondre à des questions telles que « Un homme sous hypnose peut-il être forcé à commettre un meurtre ?» On sait aussi que Ciaran fréquentait des cercles d'occultisme pratiquant des expérimentations mentales et les occasions ne manquaient donc pas pour le soumettre à des programmations hypnotiques. Le journaliste israélien Ronen Bergman a récemment révélé qu'en mai 1968, soit le mois précédent l'assassinat de Robert Kennedy, le Haman, service de renseignement militaire israélien, élaborait le projet de faire assassiner Yasser Arafat par un Palestinien programmé sous hypnose. L'idée avait été proposée par un psychologue de la marine israélienne nommé Benjamin Shalit, qui prétendait que, je cite, « si on lui fournissait un prisonnier palestinien, parmi les milliers qui se trouvaient dans les prisons israéliennes, avec les bonnes caractéristiques, il pourrait lui laver le cerveau et l'hypnotiser pour en faire un tueur programmé. Le prisonnier pourrait ensuite être envoyé de l'autre côté du Jourdain, rejoindre les forces du Fatah et, lorsque l'occasion se présenterait, éliminer Arafat. » Fin de citation. L'idée fut approuvée et l'on présenta à Shalit plusieurs candidats. Shalit sélectionna un Palestinien de 28 ans, né à Bethléem, qu'il jugea facilement hypnotisable. L'opération échoua, mais la preuve est ainsi faite qu'Israël élaborait, en 1968 précisément, une méthode d'assassinat qui correspond exactement à celle utilisée pour éliminer Robert Kennedy. Si Ciaran a été manipulé, l'une des questions qui se pose est la suivante. Pourquoi lui? Qui avait intérêt à ce que soit inculpé pour l'assassinat de Robert Kennedy un Palestinien motivé par la haine d'Israël? La réponse va de soi, c'est Israël. Mais nous sommes alors face à un dilemme. Car selon la thèse officielle, Robert Kennedy fut tué pour s'être montré favorable à Israël. Cela devrait logiquement exclure Israël de la liste des suspects. L'objection est facile à éliminer. Elle fait en réalité partie du mensonge derrière lequel se cachent les assassins. La vérité est que Robert Kennedy n'était pas pro-Israël. Il était simplement en campagne électorale. Comme chacun sait, les bons vœux et vagues promesses à Israël font partie des obligations pour tout candidat à une élection aux États-Unis. On dit que Ciaran avait dans sa poche une coupure de presse de l'Independent Star News de Pasadena du 27 mai. Qui mentionnait que Robert Kennedy aurait déclaré la veille, dans une synagogue de l'Oregon, je cite, « Les États-Unis devraient sans délai vendre à Israël les 50 avions fantômes qu'ils lui ont promis depuis longtemps. » Fin de citation. Mais l'auteur de l'article en question, David Lawrence, avait souligné le peu de crédit qu'il fallait accorder aux promesses électorales pro-Israël de Robert. Son article commençait ainsi. « Les candidats à la présidentielle font la chasse au vote et certains ne réalisent même pas leurs contradictions. » En réalité, en 1968, rien ne permettait de croire que Robert Kennedy aurait été un président ami d'Israël. La famille Kennedy, irlandaise et catholique, n'était pas réputée pour sa judéophilie. Bien au contraire, le père de John et Robert, Joe Kennedy, avait été notoirement critique de l'influence juive durant la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'ambassadeur des États-Unis à Londres de 1938 à 1940,
il avait soutenu la politique d'apaisement du Premier ministre Neville Chamberlain à l'égard d'Hitler. Puis il avait démissionné en expliquant vouloir consacrer ses efforts, je cite, « à aider le président à maintenir les États-Unis en dehors de la guerre ». Fin de citation. Par conséquent, durant la campagne de son fils John en 1960, les Israéliens s'inquiétaient que Joe ait, je cite, « injecté quelques gouttes du poison de l'antisémitisme dans l'esprit de ses enfants », pour citer le journal du parti de Menahem Begin. Dans un livre paru en 1956, « Profiles in Courage », John Kennedy avait pris parti pour le sénateur Robert Taft, qui avait sacrifié sa carrière en dénonçant les procès de Nuremberg comme une parodie de justice. Nous parlerons plus loin des relations tendues entre John Kennedy et l'État d'Israël. En ce qui concerne Robert, ministre de la Justice dans le gouvernement de son frère, il laissait aussi un très mauvais souvenir à Israël. Il avait soutenu le sénateur William Fulbright, président du comité sénatorial sur les relations étrangères, dans une procédure visant à contrer l'influence du Conseil sioniste américain, American Zionist Council, en le faisant enregistrer comme un agent étranger. Après l'assassinat de John Kennedy, le Conseil sioniste américain échappa à cette procédure en se renommant AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, devenu depuis le plus puissant lobby aux États-Unis et un instrument indispensable pour la corruption et l'intimidation des élus américains et pour le contrôle de la politique étrangère américaine. C'est Nicholas Katzenbach que Johnson mit à la tête du ministère de la Justice pour remplacer Robert Kennedy en novembre 1963 qui enterra la procédure contre le Conseil sioniste américain. L'une des toutes premières initiatives de Katzenbach fut également de recommander au nouveau président Johnson une commission d'enquête afin d'établir au plus vite qu'Oswald avait été le seul assassin de Kennedy. En conclusion, c'est faire preuve d'un cynisme absolu que d'écrire, comme l'a fait le journaliste du Jewish Forward pour le 40e anniversaire de l'assassinat de Robert Kennedy, je cite, « En nous souvenant de Bobby Kennedy, souvenons-nous non seulement de ce pourquoi il a vécu, mais aussi de ce pourquoi il est mort, la valeur précieuse de la relation entre l'Amérique et Israël. » Une chose est sûre, la mort de Robert Kennedy n'a pas été une mauvaise chose pour la relation entre l'Amérique et Israël. Israël a eu au contraire toutes les raisons de se féliciter de la politique étrangère de Richard Nixon supervisée par Henry Kissinger. C'est dans le monde arabe que Robert Kennedy a été le plus regretté, tout comme l'avait été John 5 ans plus tôt. Bien sûr, le fait que la presse sioniste ait menti en décernant à Robert Kennedy un brevet posthume d'amitié pour Israël et ait ainsi fourni à Israël une sorte d'alibi fallacieux ne suffit pas à accuser Israël d'avoir fait assassiner Robert. Même le fait que les commanditaires de l'assassinat aient choisi comme instrument de leur complot un Palestinien anti-sioniste et ainsi suscité chez les Américains un sentiment anti-palestinien en même temps qu'ils se débarrassaient de Robert, cela ne constitue pas une preuve de l'implication d'Israël. Pour qu'il y ait une présomption sérieuse, il faut qu'il y ait un mobile. S'il y a un mobile, nous le trouverons non pas dans ce que Robert Kennedy a dit durant sa campagne, mais plutôt dans ce qu'il n'a pas dit. Son intention secrète de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Qu'aurait révélé une enquête authentique, supervisée par Robert Kennedy, sur l'assassinat de John Kennedy? C'est ce que nous devons maintenant déterminer. Il est évident qu'une enquête authentique aurait prouvé que Lee Harvey Oswald n'a été que l'instrument des comploteurs, un pion, un bouc émissaire, un patsy, préparé à l'avance pour endosser le crime et être abattu avant d'être jugé. Nous ne reviendrons pas sur les nombreux éléments qui l'innocentent. Ils sont bien connus de toute personne moyennement informée. Tout aussi connue est la thèse selon laquelle la CIA, ou plutôt une partie de la CIA en collusion avec des éléments extrémistes du Pentagone, serait au cœur du complot pour éliminer Kennedy. La CIA vient très largement en tête dans la liste des conspirateurs mis en cause par la masse d'ouvrages, d'articles et de films produits depuis 50 ans sur l'assassinat de Kennedy. Nous n'allons pas ici examiner un à un les différents arguments de cette thèse, mais plutôt retracer son origine. Si la piste de la CIA est le chemin le plus fréquenté de la recherche sur Kennedy, c'est parce qu'elle a été tracée et balisée par la grande presse et par Hollywood. Et cela a commencé avant même l'assassinat, le 2 octobre 1963,
avec un article du New York Times signé du célèbre éditorialiste Arthur Kroc. Kroc citait un responsable américain très haut placé qui aurait affirmé, je cite, que même la Maison-Blanche ne contrôlait peut-être plus la CIA et que, si les États-Unis devaient connaître une tentative de coup d'État pour renverser le gouvernement, cela viendra de la CIA. Fin de citation. Kroc laissait implicitement entendre que le très haut responsable cité était le président lui-même, qui aurait ainsi cherché à alerter l'opinion publique. Le New York Times plantait ainsi un poteau indicateur, un mois et demi avant l'assassinat de Kennedy, orientant à l'avance les soupçons des sceptiques vers la CIA. Ce poteau indicateur disait « Le président va être victime d'un coup d'État et cela viendra de la CIA ». Dans les années 1970, l'édition joue également un grand rôle pour focaliser les soupçons sur la CIA, tout en occultant tout indice menant à Israël. En 1975, l'israélo-américain Alan Weberman, proche de la Ligue de défense juive, contribua à cet effort avec un livre retentissant, « Coup d'État in America, The CIA and the Assassination of John F. Kennedy », pour lequel il dit avoir bénéficié de l'aide de Richard Perle, proche de Benjamin Netanyahu. Ce livre fut influent dans la formation en 1976 du House Select Committee on Assassinations, mandaté pour ouvrir de nouvelles enquêtes sur les assassinats de John Kennedy et de Martin Luther King, avec une focalisation particulière sur la CIA et sur la mafia. C'est dans ce même contexte que le journaliste du Newsweek Edward J. Epstein fit paraître une interview de George de Morenschild, un riche immigré russe blanc qui s'était lié d'amitié avec Oswald à Dallas en 1962. De Morenschild y admettait qu'Oswald lui avait été présenté par un agent de la CIA. Le problème est que de Morenschild n'était plus en mesure de confirmer les propos qui lui étaient attribués par Epstein dans Newsweek. Il fut en effet retrouvé suicidé par balle quelques heures après son interview, le 29 mars 1977. Le rapport de police indique qu'avant son suicide, de Morenschild se plaignait que, je cite, « les juifs et la mafia juive étaient après lui ». L'interview publiée par Epstein ne faisait aucune mention de cette inquiétude. Il faudrait encore mentionner Mark Lane, Levin de son vrai nom, qui fut le premier à incriminer directement la CIA dans ses articles, puis dans un livre paru en 1966, « Rush to Judgment », qui reçut une importante promotion médiatique. Lane ne changea rien à sa thèse jusqu'à son dernier livre paru en 2011, « Last Word, My Indictment of the CIA in the Murder of JFK ». Le fait que des agents d'Israël ont délibérément manipulé l'opinion publique américaine en diffusant des théories du complot impliquant la CIA est avéré par le film d'Oliver Stone de 1991, où Kevin Costner incarne Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans qui avait ouvert une enquête sur l'assassinat de John Kennedy en 1967. Ce film, dont le succès déclencha un fort mouvement d'opinion et motiva la formation d'une nouvelle commission d'enquête, était produit par Arnon Milchan, décrit dans une biographie de 2011 comme, je cite, « l'un des plus importants agents infiltrés du renseignement israélien ». Très impliqué dans la contrebande d'armement nucléaire des États-Unis vers Israël. Milcham avoua publiquement en 2013 avoir été un agent au service du Mossad depuis sa prime jeunesse. On ne s'étonne donc pas que le film de Stone reste muet sur les indices d'une implication d'Israël qu'avait découvert Garrison. Tous ces exemples démontrent que les accusations dirigées contre la CIA ont fait l'objet d'un investissement considérable de la part d'auteurs majoritairement juifs bénéficiant d'une efficace caisse de résonance dans la grande presse. Celle-ci a joué un double jeu. En première page, pour ainsi dire, elle se rangeait ostensiblement derrière la thèse gouvernementale du tireur unique. Mais de façon plus discrète et insidieuse, elle alimenta les soupçons envers la CIA. Il s'agit là d'une stratégie caractéristique d'Israël. Occuper le terrain de la contestation et créer un débat truqué excluant toute allusion à Israël. La contradiction de la thèse officielle est maintenue focalisée sur la CIA, sur le complexe militaro-industriel ou sur tout autre organisme 100% américain, par une élite de militants dont la motivation première est la préservation de l'intérêt communautaire juif. En réalité, la thèse de la CIA souffre d'une contradiction rédhibitoire. Selon cette thèse, en effet, l'objectif principal de l'assassinat de Kennedy était l'invasion de Cuba, à laquelle Kennedy s'était opposé à plusieurs reprises,
faisant par exemple échouer l'opération de la baie des cochons par son refus d'envoyer les marines. Mais dans ce cas, pourquoi Cuba n'a-t-il pas été envahi? Ceux qui incriminent la CIA répondent que Johnson a fait échouer le plan des assassins. N'ayant pu empêcher l'assassinat de son cher président, ce brave Johnson aurait au moins empêché qu'il serve de prétexte à une guerre, en faisant pression sur toute l'administration. Ce scénario ne tient pas devant les preuves de l'implication de Johnson. Une autre faiblesse de la thèse de la CIA est que les investigateurs de cette école ne parviennent à aucun consensus sur l'identité précise des cerveaux du complot au sein de la CIA. En fait, le nom qui revient le plus souvent est celui de James Jesus Angleton, le chef du contre-espionnage. Le professeur John Newman écrit à son sujet dans Oswald and the CIA « Personne d'autre à la CIA n'avait l'accès, l'autorité et l'esprit diaboliquement ingénieux pour gérer un complot aussi compliqué. » Fin de citation. Or, Angleton était aussi le chef du bureau Israël au sein de la CIA et il est reconnu pour avoir été une taupe d'Israël. Selon son biographe Tom Mangold, je cite, les plus proches amis d'Angleton à l'étranger venaient du Mossad, et il était tenu en très haute estime par ses collègues israéliens et par l'État d'Israël, qui lui décerna de grands honneurs après sa mort. Fin de citation. En outre, il a été démontré qu'Angleton a lui-même contribué à jeter le soupçon sur la CIA en fuitant à la presse un mémo qu'il avait rédigé à l'intention du directeur Richard Helms au sujet de la présence à Dallas le 22 novembre 1963 de l'agent Howard Hunt. Par un étrange paradoxe, les auteurs qui défendent la thèse consensuelle du complot émanant de la CIA appuient largement leur argumentation sur la biographie d'Oswald, alors même qu'ils nient la culpabilité d'Oswald. C'est à peu près aussi utile que d'enquêter sur Oussama Ben Laden pour élucider les attentats du 11 septembre. L'innocence d'Oswald étant admise, la piste à suivre pour trouver le vrai coupable est bien plutôt, logiquement, celle de l'homme qui réduisit Oswald au silence deux jours après son arrestation, et ainsi empêcha qu'Oswald ne répétât devant une cour de justice ce qu'il avait déjà déclaré de manière furtive à des journalistes dans le couloir du commissariat de Dallas « I'm just a patsy, je ne suis qu'un pigeon, un pion ». L'assassin d'Oswald se nomme Jack Ruby. On s'attendrait à ce qu'il soit le personnage le plus investigué de la recherche sur Kennedy. Or, il a fait l'objet de très peu d'attention. Même son véritable nom est ignoré du grand public, tant il est peu cité. Il s'appelait en réalité Jacob Léon Rubenstein. Originaire de Chicago, il était étroitement lié à la pègre juive, la fameuse Yiddish Connection. Son mentor était le gangster d'Hollywood Mickey Cohen, successeur de Benjamin Siegelbaum, dit Bugsy, parrain de Murder Incorporated. Cohen était lui-même en contact avec Menahem Begin, l'ancien chef terroriste de l'Irgun, spécialiste des attentats sous fausse bannière. Cohen avoue dans son autobiographie, je cite, « Je me suis tellement passionné pour Israël que j'ai mis de côté bon nombre de mes activités. Je ne faisais plus rien d'autre que m'occuper de cette guerre de l'Irgun. » Fin de citation. On sait de plus que Ruby téléphona à un associé de Mickey Cohen, Al Gruber, juste après l'arrestation d'Oswald. C'est alors, très probablement, qu'il reçut un contrat qu'il ne pouvait pas refuser, pour des raisons probablement liées à ses dettes. Ruby mourut en prison en 1967. Il n'aurait donc plus été disponible pour un nouveau jugement sous la présidence de Robert Kennedy. Mais son dossier était explosif, et il n'avait pas été avare en déclaration. Par exemple, il avait confié à son avocat William Kunstler, qui le rapporte dans son autobiographie, qu'il avait liquidé Oswald, je cite, « pour les Juifs ». Et il avait fait la même déclaration à son rabbin Hillel Silverman. Ruby n'est qu'un maillon intermédiaire d'un complot qui commence par le guet-apens de Dallas, qui se prolonge par le cover-up de la commission Warren et implique un pacte de silence avec les directions des grands médias. À chaque étape, on trouve les empreintes de l'état profond israélien. Commençons par le guet-apens de Dallas. N'ayant pas de caractère présidentiel officiel, le voyage de John Kennedy à Dallas était sponsorisé et planifié par une organisation nommée le Conseil citoyen de Dallas, Dallas Citizens Council. Kennedy était sur le chemin du gala, organisé en son honneur par cette institution lorsqu'il fut abattu. Le Conseil citoyen de Dallas était un puissant groupe d'influence dominé par des affairistes juifs, comme le richissime Julius Sheps, décrit dans un livre sur la communauté juive du Texas comme, je cite,
membre de chaque synagogue en ville et chef de facto de la communauté juive. Abraham Zapruder, l'homme qui filma l'assassinat de John Kennedy et vendit son film pour $150,000 au magazine Life, était membre du Dallas Citizens Council. Interviewé le jour même à la télévision, Zapruder ne pouvait réprimer sa satisfaction. Le comité d'accueil de Kennedy à Dallas était présidé par un autre membre éminent de la communauté juive texane, le publicitaire Sam Bloom. Selon l'ancien officier des services secrets britanniques, John Hugh Wilson, c'est Bloom qui, je cite, suggéra à la police de rendre Oswald accessible à la presse. Il suggéra aussi, contre l'avis explicite du FBI local, qu'on déplaça l'assassin présumé du commissariat à la prison de Dallas afin de donner aux journalistes une bonne histoire et des images. Fin de citation. C'est durant ce déplacement qu'Oswald fut abattu par Ruby. Hugh Wilson explique encore, « Lorsque les policiers fouillèrent le domicile de Ruby, ils trouvèrent une note avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de Bloom. » Après la tragédie de Dallas, les Sayanim d'Israël furent aussi très actifs dans la fabrication du mensonge d'État. À part son président Earl Warren, choisi pour son rôle figuratif en tant que président de la Cour suprême, les hommes clés de la commission d'enquête étaient tous soit des ennemis de Kennedy, comme Alan Dulles, le directeur de la CIA viré par Kennedy en 1961, soit d'ardents sionistes, comme Arlen Specter, qui sera, à sa mort en 2012, officiellement regretté par le gouvernement israélien comme, je cite, « un infatigable défenseur de l'État juif ». Specter était l'inventeur de la théorie de la balle unique, connue par les sceptiques comme la balle magique, qui prétend qu'une seule balle tirée par Oswald aurait causé 7 blessures à Kennedy et à John Connally assis devant lui, avant d'être retrouvé intact sur un chariot d'hôpital. À toutes les étapes de la mise en scène, on trouve donc une cabale sioniste incluant des hommes d'affaires, des politiciens et des gangsters, tous dévoués à Israël, sans oublier les directeurs de journaux. Leur mobile le plus probable a été révélé dans les années 1990 par deux livres, « The Samson Option » de Seymour Hersh et « Israel and the Bomb » de Avner Cohen, et le sujet a par la suite été repris par d'autres ouvrages comme « The Bomb in the Basement » de l'historien israélien Michael Karpin. Il ressort de ces enquêtes que Kennedy, mis au courant par la CIA du projet d'armement nucléaire mené secrètement par Israël dans son laboratoire de Dimona dans le désert du Negev, était fermement déterminé à faire échouer ce projet. Il s'était engagé dans un bras de fer avec David Ben-Gourion, qui était à la fois le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël. Ben-Gourion était convaincu qu'en voulant empêcher Israël d'acquérir la bombe, Kennedy mettait en danger la survie même de l'État juif, auquel il avait consacré sa vie entière. Il écrivit dans une de ses dernières lettres à JFK « Monsieur le Président, mon peuple a le droit d'exister et cette existence est en danger ». Kennedy cependant restait inflexible. Dans une lettre datée du 15 juin 1963, il exigeait une première visite immédiate, suivie de visites régulières tous les 6 mois, sans quoi, je cite, « l'engagement et le soutien de notre gouvernement pour Israël risquent d'être sérieusement compromis ». Fin de citation. Ben-Gourion démissionna de sa fonction le jour même où il devait recevoir cette lettre, se retirant pour ainsi dire dans les sphères du pouvoir profond. Kennedy envoya une nouvelle lettre à son remplaçant, Levi Eskol, mais ne reçut jamais de réponse. On peut émettre l'hypothèse qu'en même temps que sa démission, Ben-Gourion avait donné l'ordre d'assassiner Kennedy. En effet, 11 jours après avoir démissionné, Ben-Gourion se montrait plus déterminé que jamais de doter Israël de l'arme atomique. Je cite « Je ne connais aucune autre nation dont les voisins déclarent qu'ils souhaitent la détruire et ne le déclarent pas seulement, mais s'y préparent par tous les moyens à leur disposition. Nous sommes un petit nombre et nous ne pouvons pas rivaliser avec les 180 millions d'Américains ou avec autant de nos voisins arabes. Mais il y a une chose en laquelle nous ne sommes pas inférieurs aux autres peuples du monde. C'est le cerveau juif. Le cerveau juif n'est pas sans ressources. La science juive n'est pas sans ressources. Je suis convaincu que la science est en mesure de nous fournir les armes qui serviront la paix et dissuaderont nos ennemis. » Fin de citation. 5 mois plus tard, la mort de Kennedy soulageait Israël de toute pression et même de tout risque de publicité sur son programme nucléaire militaire secret. John McCone, le directeur de la CIA nommé par Kennedy, démissionnera en 1965 en se plaignant du peu d'intérêt manifesté par Johnson sur ce dossier. Selon les termes choisis par l'historien Stephen Green, l'évolution la plus significative pour le programme d'armement nucléaire israélien en 1963
eut lieu le 22 novembre sur l'avion volant de Dallas à Washington lorsque Lyndon Johnson fut assermenté et devint le 36e président des États-Unis après l'assassinat de John Kennedy. La Maison-Blanche de Lyndon Johnson ne voyait pas de Dimona, n'entendait pas de Dimona et ne parlait pas de Dimona. Fin de citation. La détermination de Kennedy à faire avorter le projet Dimona n'était qu'une partie du problème Kennedy pour Israël. Tout aussi insupportable était sa détermination à faire appliquer la résolution 194 des Nations Unies concernant le retour des quelque 800 000 réfugiés palestiniens expulsés dans les années 1947-48. Pas plus tard que le 20 novembre 1963, la délégation états-unienne aux Nations Unies mettait à nouveau cette question sur le tapis, causant une vive protestation dans les cercles israéliens. En plus de cela, depuis les tout premiers mois de son mandat, Kennedy s'était montré favorable à Nasser, le plus redoutable ennemi d'Israël. L'historien Philippe Muhlenbeck écrit « Tandis que l'administration Eisenhower avait cherché à isoler Nasser et réduire son influence en favorisant le roi Saoud d'Arabie comme rival conservateur au président égyptien, l'administration Kennedy poursuivit la stratégie exactement inverse. » Fin de citation. Après la mort de Kennedy, la politique étrangère américaine s'inversa à nouveau radicalement, sans que le public américain ne s'en rendît compte. Johnson coupa l'aide économique à l'Égypte et augmenta l'aide militaire à Israël, qui, selon Stephen Green, dans son livre « Taking Sides, America's Secret Relations with a Militant Israel », atteignit 92 millions en 1966, plus que le total de toutes les années précédentes cumulées. Depuis 50 ans, la piste israélienne dans l'assassinat de Kennedy est soigneusement étouffée et tous ceux qui se risquent à la mentionner sont immédiatement ostracisés. Le député américain Paul Findlay se risqua néanmoins à écrire en mars 1992 dans le Washington Report on Middle East Affairs, je cite, « Il est intéressant de noter que dans tout ce qui a été écrit et dit au sujet de l'assassinat de Kennedy, l'agence de renseignement d'Israël, le Mossad, n'a jamais été mentionnée. » Fin de citation. Un seul auteur, en fait, a creusé cette piste. Il s'agit de Michael Collins Piper, auteur en 1995 de « Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy ». Piper, décédé en 2015, a été traité en pestiféré au sein même de la communauté des chercheurs sur Kennedy. Mais son travail a fait son chemin. En 2013, dans son édition des lettres de Kennedy, incluant celle adressée à Ben Gurion à propos de Dimona, Martin Sandler mentionne le travail de Piper et qualifie sa théorie comme, je cite, « l'une des théories les plus intrigantes ». C'est en réalité une théorie largement partagée dans les pays où le pouvoir d'intimidation du lobby israélien reste modéré. Le colonel Kadhafi en était persuadé. ورفض الإسرائيليون وأخيرا أصر هو على التفتيش كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة وأعطى الضوء الأخضر بقتل كينيدي وهكذا قتل كينيدي بسبب مفاعل ديمونة وإصراره على تفتيشه Le 23 septembre 2009, Kadhafi eut l'audace de réclamer à ce sujet une enquête internationale devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs investigateurs identifient Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, comme l'un des cerveaux de l'attentat de Dallas. Il est certain en effet que les conspirateurs n'ont pu agir qu'avec l'assurance préalable que Johnson, propulsé à la tête de l'État dès l'annonce de la mort de Kennedy, les couvrirait. Le climat de crise nationale créé par l'événement permit à Johnson d'intimider la justice et la presse. Il est non moins certain que Johnson participa activement à l'élaboration du complot. Ancien sénateur du Texas, il a pu mobiliser des complicités haut placées dans son fief de Dallas pour faciliter le guet-apens. Johnson exerçait aussi un contrôle étroit sur la Navy, à la tête de laquelle il avait réussi à faire nommer successivement deux de ses partenaires d'affaires texans, John Connally, puis Fred Korth. Or, c'est à l'hôpital de la Navy à Washington que fut réalisée l'autopsie falsifiée du président Kennedy,
après que son corps fut littéralement arraché des mains des médecins légistes de l'hôpital Parkland à Dallas. C'est le rapport de la Navy qui établira que la balle mortelle est entrée par l'arrière du crâne. Contrairement à une rumeur tenace mais infondée, c'est aussi à la Navy et non à la CIA qu'avait été recruté Lee Harvey Oswald, le pion programmé pour servir de bouc émissaire et disparaître. Oswald était en effet un marine et avait travaillé au Japon pour l'Office of Naval Intelligence, ONI, la branche espionnage de la Navy. Johnson avait profité de son influence à la Navy pour participer à la plus gigantesque affaire de corruption au sein du complexe militaro-industriel. Son complice texan, Fred Corse, fut forcé de démissionner de son poste de secrétaire à la Navy en novembre 1963, après que le département de la justice, dirigé par Robert Kennedy, l'eût mis en cause dans l'attribution frauduleuse à l'entreprise texane General Dynamics d'un marché d'armement de 7 milliards de dollars, le plus gros marché d'armement à l'époque. Le secrétaire personnel de Johnson, Bobby Baker, était également inculpé et l'affaire menaçait de faire tomber Johnson lui-même. En raison de cette affaire, John Kennedy était déterminé à changer de vice-président pour sa campagne de réélection en 1964. Se trouvant à Dallas la veille de la visite fatidique du président, Richard Nixon en profita pour ébruiter la rumeur, comme le rapporta le Dallas Morning News du 22 novembre. Je cite « Nixon prédit que JFK laissera tomber Johnson ». Fin de citation. Au lieu de cela, Johnson devint président le jour même. Beaucoup d'Américains ont soupçonné Johnson dès le premier jour, et plus encore après la publication en 1964 du livre de James Evett Halley, A Texan Looks at Lyndon, Le regard d'un Texan sur Lyndon. Un livre qui dresse de Johnson le portrait d'un homme d'une ambition dévorante et d'une corruption absolue. Selon un autre biographe, Robert Caro, Johnson avait pour le pouvoir, je cite, « une faim si sauvage et dévorante qu'aucune considération de moralité ou d'éthique, aucun prix pour lui-même ou pour les autres ne pouvait l'arrêter ». Fin de citation. Robert Kennedy lui-même soupçonnait Johnson, qu'il détestait au plus haut point. « Johnson ment tout le temps », disait-il. « Je te le dis, il ment continuellement, surtout. Dans chaque conversation que j'ai avec lui, il ment. Il ment même quand il n'en a pas besoin ». Au fil des années a été réunie une somme considérable d'indices et de témoignages qui incriminent Johnson. La piste de Johnson n'est pas contradictoire avec celle d'Israël. Bien au contraire, les deux pistes se croisent dans le personnage clé de Jack Ruby, alias Jacob Rubenstein, l'assassin d'Oswald. Lorsqu'il fut entendu par les enquêteurs de la commission Warren, Jack Ruby insista pour être conduit à Washington afin, je cite, « d'apporter la vérité au président ». Et pour être disculpé, afin que mon peuple ne souffre pas à cause de ce que j'ai fait. Il disait craindre en effet que son geste soit exploité, je cite, « pour créer une fausse idée sur certaines personnes de confession juive ». Fin de citation. Mais il ajouta que cela pouvait être évité, je cite, « si notre président, Lyndon Johnson, apprenait la vérité de moi ». Par ces mots étranges, Ruby semble avoir voulu adresser à Johnson un message lourd de sous-entendu, qui semble contenir la menace de révéler l'implication d'Israël dans l'assassinat de Kennedy s'il n'était pas gracié par le nouveau président. Sans doute Ruby espérait-il que Johnson le sorte de prison. Tout comme en 1952, Johnson était parvenu à éviter la prison à son tueur Malcolm Wallace, pourtant reconnu coupable de meurtre au premier degré sur l'amant de la sœur de Johnson qui avait tenté de le faire chanter. Mais Johnson ne fit rien pour Ruby et celui-ci fut condamné à perpétuité. Sa déception explique pourquoi, en mars 1965, étant parvenu à donner une brève conférence de presse filmée depuis sa prison, Ruby incrimina Johnson à mots couverts. La déposition de Ruby à la commission Warren fut obtenue et publiée par la journaliste Dorothy Kilgallen dans le New York Journal American du 18 et 20 août 1964. Kilgallen avait en outre interviewé Ruby durant son procès à Dallas et elle se disait sur le point de dévoiler la véritable histoire. Elle fut retrouvée morte d'une overdose d'alcool et de barbiturique le 8 novembre 1965. Quant à Ruby, il fut mis à l'isolement et mourut en 1967, officiellement d'une embolie pulmonaire consécutive à un cancer foudroyant. «
Ruby n'est pas le seul élément qui relie Johnson et Israël. Loin de là. En réalité, Johnson a toujours été l'homme d'Israël. Ses campagnes électorales étaient financées depuis 1948 par le célèbre leveur de fonds Abraham Feinberg, également président de l'association Americans for Haganah Incorporated. C'est ce même Abraham Feinberg qui, après les primaires démocrates de 1960, fit à Kennedy la proposition suivante, rapportée par Kennedy lui-même. Je cite « Nous savons que votre campagne est en difficulté. Nous sommes prêts à payer vos notes si vous nous laissez le contrôle de votre politique au Moyen-Orient. » Fin de citation. Et ce sont deux sionistes notoires, le directeur du Washington Post Philip Graham et son éditorialiste Joseph Alsop, qui se chargèrent de convaincre Kennedy de choisir Johnson comme vice-président. Il suffisait pour cela de parler à Kennedy de ses aventures extra-conjugales, dont Edgar Hoover, très proche de Johnson, détenait des preuves. Selon Evelyn Lincoln, qui fut la secrétaire de Kennedy pendant 12 ans, je cite, « Jack savait que Hoover et LBJ auraient fait courir partout des histoires de femmes. » Kennedy confia lui-même à son assistant Iman Raskin, je cite, « Nous n'avions jamais considéré Lyndon, mais ces bâtards essayaient de me coincer. » Ils m'ont menacé de me causer des problèmes et je n'ai pas besoin de problèmes supplémentaires. » Fin de citation. C'est ainsi que, contraint par le réseau sioniste et malgré l'opposition farouche de son frère Robert, John fut forcé de choisir Johnson comme vice-président. En 2013, l'Associated Press divulga des enregistrements du bureau Oval démontrant, je cite, « la connexion personnelle et souvent émotionnelle de Johnson avec Israël ». Un article du Five Towns Jewish Times publié sous le titre étonnant de « Notre premier président juif, Lyndon Johnson ?» point d'interrogation, rappelle le soutien constant de Johnson pour les juifs depuis les années 40 et conclut « Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. Dans une perspective historique, le pont aérien d'urgence vers Israël en 1973, le soutien diplomatique constant, l'assistance économique et militaire et les liens stratégiques entre les deux pays peuvent être mis au crédit des graines plantées par Johnson. » Fin de citation. L'article mentionne également que « des recherches dans l'histoire personnelle de Johnson indiquent que son intérêt pour le peuple juif est un héritage de sa famille. Sa tante, Jesse Johnson Hatcher, qui eut sur lui une influence majeure, était membre de la Zionist Organization of America. La lignée des mères juives peut être retracée sur trois générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il fait peu de doute qu'il était juif. » Fin de citation. Peu importe au fond les loyautés ou motivations secrètes de Johnson. Ce qui est certain, c'est que grâce à Johnson, Israël a pu se doter de la bombe atomique et mettre à exécution son plan d'annexion des territoires palestiniens. En s'appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA que Kennedy avait bridés, Johnson intensifia la guerre froide et créa le climat de tension approprié pour qu'Israël et ses relais médiatiques aux États-Unis puissent diaboliser Nasser et renforcer son propre statut d'allié indispensable. C'est en 1967, par la guerre des six jours, qu'Israël parvint à tripler sa superficie, tout en créant l'illusion d'agir en légitime défense, en faisant passer des mouvements défensifs de l'armée égyptienne pour des préparatifs d'agression, sous les applaudissements de la presse américaine. Le mensonge israélien ne pouvait tromper les renseignements américains, mais Johnson avait donné son feu vert à l'attaque israélienne et autoriser la CIA à transmettre aux Israéliens les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui leur permit de réduire à l'impuissance l'aviation égyptienne en quelques heures. Quatre jours après le début de l'attaque israélienne, Nasser avait accepté la demande de cesser le feu du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était trop tôt pour Israël, qui n'avait pas encore atteint tous ses objectifs. C'est alors que le 8 juin eut lieu l'attaque du USS Liberty, un navire de la NSA, stationné en eau internationale au large du Sinaï. They drop napalm and strafe its decks with rockets, cannon fire and armor-piercing rounds before trying to sink it with torpedoes. We had no way to defend ourselves and it was just we're just slaughtered. Durant 75 minutes, ce navire fut bombardé, mitraillé et torpillé par des Mirages et trois torpilleurs israéliens, tandis que Johnson, depuis la Maison-Blanche, interdisait à la 6e flotte stationnée à proximité de se porter à son secours. Même les canaux de sauvetage furent mitraillés. L'attaque aurait été mise sur le compte de l'Égypte si elle avait réussi, c'est-à-dire si le navire avait été coulé et son équipage exterminé.
L'opération aurait alors donné à Johnson un prétexte pour intervenir militairement aux côtés d'Israël contre l'Égypte. Mais elle échoua. Le scandale fut étouffé par une commission d'enquête dirigée par l'amiral John Sidney McCain II, père de John McCain III, qui s'illustra récemment par son soutien aux terroristes en Syrie. Everyone in the national security team recommended arming ISIS. Johnson accepta discrètement les excuses d'Israël pour son improbable erreur d'identification. Mieux, il fit d'Israël, à partir de 1967, le premier client de l'industrie militaire américaine. Cette opération apporte la preuve de la complicité secrète de Johnson avec Israël, impliquant une trahison contre son propre pays. Many of Johnson's closest friends and advisors were pro-Israeli, and they reported back to Tel Aviv on his every move. The Israeli story constantly shifted to counter whatever new intelligence the White House received. So sensitive were these communications that the Israelis used code names to protect the identity of their White House agents. But for the first time, the members of the ring can be named. Hamlet was a million-dollar fundraiser for the Democrats. When he rang, Johnson. Arthur Goldberg, the U.S. ambassador to the United Nations. Harare was David Ginsburg, a high-profile Washington lawyer who also represented the Israeli embassy. Ilan was Supreme Court Justice Abe Fortas. Lyndon Johnson had dinner with him on the eve of the Six-Day War. The strategy worked. The U.S.-Israeli relationship proved to be stronger than the killing and injuring of more than 200 Americans. Pour conclure, outre le fait que John et Robert étaient frères, leurs assassinats ont au moins deux choses en commun, Johnson et Israël. Premièrement, leur mort encadre précisément la présidence de Lyndon Johnson, marquée par d'autres assassinats politiques comme celui de Martin Luther King. Johnson supervisa les deux enquêtes. Deuxièmement, dans chacune de ces deux enquêtes, l'élément central qui contredit la thèse officielle oriente fortement les soupçons vers l'état profond israélien. Dans le cas de Robert, c'est la manipulation d'un Palestinien très suggestionnable dans le but de faire apparaître le meurtre de Robert comme motivé par la haine d'Israël. Dans le cas de John, c'est l'intervention d'un gangster juif lié à l'Irgun pour liquider le pigeon Oswald. Or, ces deux éléments communs dans les assassinats des frères Kennedy, Johnson et Israël, sont eux-mêmes étroitement liés, au point de se confondre, car Johnson est un homme de main d'Israël, tout comme Ruby, bien qu'à un autre niveau. Les preuves d'un lien occulte très puissant entre Johnson et Israël incluent la haute trahison de Johnson dans l'affaire du US Liberty. Le lien causal entre les deux assassinats apparaît alors clairement. Même si Robert avait été pro-Israël, Israël et Johnson auraient eu une raison impérative de l'éliminer avant qu'il n'accède à la Maison Blanche et qu'il ne rouvre l'enquête sur l'assassinat de son frère. Il apparaît finalement que pour résoudre l'assassinat de John Kennedy, il suffit de s'intéresser aux deux assassinats qui lui sont liés. Premièrement, l'assassinat de Lee Harvey Oswald, l'homme dont le procès risquait de faire tomber les masques. Deuxièmement, l'assassinat de Robert Kennedy, l'homme qui aurait pu rouvrir l'enquête. Or, l'assassinat d'Oswald et celui de Robert Kennedy portent tous deux, bien que de façon très différente, la signature du pouvoir profond israélien. Le sentiment profond d'une terrible vérité cachée sur les assassinats en série des Kennedy hante la psyché collective américaine, un peu comme une crypte au sens psychanalytique. Un secret refoulé qui travaille en profondeur l'inconscient de l'Amérique et dont le dévoilement menace l'identité même de la nation. Ce mensonge a rendu l'Amérique vulnérable à d'autres mensonges, car tout mensonge crée une prédisposition au mensonge et même la nécessité d'autres mensonges pour le couvrir. La crypte se transforme en abîme à mesure qu'un mensonge vient s'enfouir dans un autre. Inversement, le dévoilement d'un mensonge menace le dévoilement d'autres mensonges. C'est pourquoi l'on constate encore aujourd'hui, 50 ans après, une volonté farouche de pérenniser le mensonge sur la mort de Kennedy. Le dévoilement de la vérité sur Kennedy conduira inéluctablement au dévoilement de la vérité sur le 11 septembre et à la prise de conscience de tous les autres mensonges par lesquels les États-Unis et le monde ont été entraînés dans des guerres contre les ennemis d'Israël.
Carl Jung, le psychologue de l'inconscient collectif, disait que le caractère mythique d'une vie exprime précisément qu'elle a une portée humaine générale. La vie et la mort des Kennedy possèdent une telle dimension. La dynastie Kennedy incarnait la racine et la branche catholique irlandaise du peuple américain. Avec tout ce que cela représente d'antagonisme au puritanisme anglais, la branche la plus judaïsée du christianisme. Cet antagonisme renvoie aux martyrs de l'Irlande catholique sous l'oppression anglaise. Durant la Seconde Guerre mondiale, la République irlandaise est restée neutre, refusant de s'allier aux Britanniques. Après la guerre, le mouvement catholique américain en paya le prix. Joe Kennedy, le père de John et Robert, émit en privé l'opinion que, je cite, « les Juifs avaient gagné la guerre ». Sur le plan culturel, l'influence irlandaise commençait à décliner. Dans ce contexte, la présidence de John Kennedy était dans la psyché collective et dans la destinée des États-Unis, riche d'implications spirituelles. Cette signification méta-historique du pouvoir des Kennedy n'échappait pas aux Juifs sionistes, habités, eux, par le projet géopolitique suprémaciste de l'Ancien Testament et plaçant tous leurs espoirs sur leur capacité à infléchir la politique étrangère états-unienne au profit d'Israël. Il y a dans la tragédie des Kennedy une signification providentielle. C'est pourquoi la lumière sur cette affaire marquera le début de la fin du contrôle mental exercé par le mouvement sioniste sur l'Amérique et l'Occident en général. Les frères Kennedy pourront alors recevoir le culte national qu'ils méritent.